Je suis au siège central de l'OCDE en compagnie de Pierpaolo Padoan, secrétaire général adjoint de l'OCDE depuis 2007 et chef économiste de cette même institution depuis 2009. Il est un professeur d'université qui a enseigné à l'Université de Rome et également à Bruges, à Varsovie, à Bruxelles, à La Plata en Argentine, à Tokyo. Il a été de 1998 à 2001 conseiller économique de deux chefs du gouvernement italien, Massimo D'Alema et Giuliano Amato. De 2001 à 2005, il a travaillé à Washington en tant que directeur auprès du Fonds monétaire international. Il provient donc d'une formation universitaire, d'une carrière universitaire, et en même temps, il est un haut fonctionnaire avec une longue expérience dans les organismes internationaux. L'OCDE est un organisme qui ne réunit pas l'ensemble des pays du monde comme l'ONU, qui réunit quelques dizaines de pays. Lesquels ? Maintenant, les pays membres de l'OCDE sont 34, bien sûr, l'OCDE entretient des relations avec beaucoup d'autres pays, y compris beaucoup de pays en voie de développement. Et nous faisons, dans une base régulière, des rapports d'analyse pour tous ces pays, y compris la Chine, le Brésil, l'Indonésie et des autres pays émergents très importants. Nous aussi avons des relations avec beaucoup des autres pays en voie de développement il y a une année, nous avons célébré les 50 années de vie de l'OCDE. Voilà. Donc, autrement dit, l'OCDE ne s'occupe pas uniquement des pays riches de la planète, s'occupe également des pays moins favorisés. Non, on peut souvenir que l'OCDE a été installé il y a 50 ans pour aider les pays de l'Europe qui ont bénéficié du plan Marshall. Et maintenant, bien sûr, il s'agit de quelque chose d'autre, mais il y a encore l'esprit initial, c'est-à-dire d'aider tous les pays, y compris les pays en développement, à faire des politiques économiques et sociales meilleures, comme nous disons, pour une vie meilleure. Quelle est la tâche du chef économiste de l'OCDE? Votre tâche? La tâche, c'est, de donner en ligne interprétatif de la situation économique globale et aussi d'assurer que cette ligne, cette inspiration générale est partagée pour l'organisation entière, bien sûr, ensemble avec le secrétaire général, mais aussi que cette ligne se traduit dans un cadre très précis, le plus précis possible, d'analyse d'économie politique et surtout des conseils pour les gouvernements des pays membres et non membres de l'OCDE. Donc, ce qui sort des analyses de l'OCDE est interprété avec intérêt par les gouvernements du monde entier. Oui, je crois et j'espère, mais pas seulement interprété. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles les gouvernements prennent les recommandations de l'OCDE et l'utilisent pour leur propre programme de politique économique. Nous vivons actuellement un moment difficile sur le plan économique dans le monde entier. Et on a fait souvent des comparaisons entre la crise actuelle et celle de 1929. Est-ce que cette comparaison a un fondement? Oui, il y a bien sûr un fondement parce que la chute des produits d'économie globale en 2009 a été très importante
pas assez grand comme laquelle de 1929 et les années suivantes. Mais bien sûr, il y a un problème aujourd'hui qui est similaire et assez grave, c'est-à-dire le chômage. Le chômage, surtout dans les pays plus avancés, surtout dans l'Europe. Il y a aussi une grande différence. La grande différence, c'est que la politique économique au niveau des pays, mais aussi au niveau global, est plus forte, est plus prête à confronter la crise et à mettre en place des mesures qui, on espère, seront utiles pour sortir de la crise, j'espère, tôt. Voilà, donc là, cela anticipe un peu la question que je souhaitais vous poser, c'est-à-dire, êtes-vous optimiste ou pas? Voyez-vous un peu de lumière au bout de ce tunnel? Oui, je voudrais être plus optimiste de quel je suis maintenant, parce qu'il faut dire que dans l'année passée, on a espéré de voir la sortie du tunnel beaucoup de fois, et chaque fois, on était trompé de ça. Et alors, il faut être très prudent, bien sûr. Mais cette fois, la réponse de politique économique en Europe, aux États-Unis, nous croyons, est suffisante pour voir la fin du tunnel, peut-être à la fin de l'année prochaine. À la fin de 2013. Oui. Voilà. Bon, ça, donc, c'est un mot d'optimisme provenant de quelqu'un qui dispose de beaucoup de données objectives. Donc là, nous l'interprétons comme quelque chose de très encourageant. Il faut dire que même le citoyen, l'homme de la rue, a commencé à s'intéresser aux problèmes économiques, considérés normalement comme assez ardus et éloignés, car la crise a frappé très fort. Tout le monde sait qu'il y a un état de malaise à cause des impôts qui augmentent, à cause du pouvoir d'achat qui diminue. Enfin, surtout concernant les deux pays qui tiennent à cœur des visiteurs de notre site, c'est-à-dire l'Italie et la France. Alors, quelles sont vos impressions et surtout vos prévisions? L'impression, c'est que les deux pays sont similaires, n'ont pas la même situation économique maintenant. Bien sûr, la France est une situation meilleure, surtout du point de vue du jugement du marché financier. Mais tous les deux pays ont un grand problème d'ajustement fiscal. Et de ce point de vue-là, la France et l'Italie sont plus similaires. Dans les deux cas, on a utilisé les impôts pour diminuer le déficit. Mais en principe, l'idée pour les deux pays, et notre recommandation pour les deux pays, c'est de diminuer les dépenses publiques pour trouver un espace pour aussi diminuer les impôts. Comment expliquez-vous le déficit aussi important de la balance commerciale française? La France a un problème de compétitivité et bien sûr le gouvernement maintenant et le président Hollande qui est venu nous visiter il y a seulement 2 jours sont très attentes à le problème de la compétitivité et comme les économistes disent de la productivité. Pour accroître la compétitivité en France et en Italie, nous croyons qu'il faut surtout de mettre en place des réformes structurelles, c'est-à-dire des changements de règles sur le marché du travail, sur le marché des produits, de faire des innovations, investir en capital humain pour accroître la compétitivité des prix et hors prix, de la même façon pour la France et pour l'Italie. La recette, c'est la même. Bien sûr, les problèmes sont un peu différents. Je disais tout à l'heure que de vos propos sort un message en définitive relativement encourageant.
Est-ce que pour les visiteurs de notre site qui comprennent mieux l'italien, voulez-vous dire encore quelques phrases en italien sur les perspectives justement de l'économie internationale? L'economia italiana si trova in una fase molto difficile, ma questo riflette anche il fatto che per molti anni, per molto tempo, in Italia non sono state aggredite le due principali cause di malessere economico, che sono l'elevato debito pubblico e la crescita troppo bassa per offrire opportunità di occupazione. Per risolvere problemi accumulatisi in due decenni occorrono delle misure a vasto spettro, come quelle che sta mettendo in pratica il governo Monti, e noi riteniamo che misure così debbano essere continuate e devono essere estese anche al di là dell'orizzonte temporale dei prossimi mesi. Nel frattempo l'economia globale andrà migliorando e di questo ne beneficerà anche l'economia italiana. Grazie Piercarlo Padoan. Grazie a voi.